Aujourd'hui, je vais rencontrer Nicolas et son fils aîné. Il habite à Paris, mais c'est en Hongrie qu'il est né, en 1928. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous fais la bise. Oui, bien sûr. Merci de me recevoir. Bonjour. Je suis ravie en tout cas de vous voir tous les deux ensemble. Nicolas est le dernier né d'une famille de 5 enfants. Alors moi, je suis là, j'ai 7 ans sur cette photo, c'était fait en 1935. Voilà, et mon père, ma mère. La famille de Nicolas traverse la guerre tant bien que mal dans ce pays allié des Allemands. Mais en mars 1944, les nazis envahissent finalement la Hongrie et la vie des Juifs devient un cauchemar. D'un jour à l'autre, tout changeait. Ils ont sorti des lois, à partir de là, les Allemands concernant les Juifs. Il fallait livrer tout ce qu'on avait, des véhicules, les postes de radio, des comptes en banque, tout était déclaré. Et mes parents, ils respectaient tous les décrets, toutes les lois, toutes les machins, rigoureusement. Et il y avait des réfugiés qui racontaient des horreurs qui se passaient ailleurs. Ils ont dit, chez nous, c'est pas possible. Et pourtant, la fin de la guerre approche et les nazis accélèrent le rythme. Les juifs hongrois sont envoyés brièvement dans des ghettos, puis déportés à Auschwitz à une cadence infernale. En 7 semaines, ce sont plus de 435 000 personnes qui sont emmenées. Nicolas a 16 ans. Il est déporté avec sa mère, son père et sa plus jeune sœur, les 3 autres membres de la fratrie ayant déjà quitté le pays. À l'arrivée à Birkenau, il est séparé de ses parents. Le deuxième ou le troisième jour, quand je suis arrivé, j'ai demandé les anciens qui étaient là. Et quand est-ce que je vais voir mes parents? Ils m'ont regardé. Mes parents, mais quel âge qu'ils avaient, vos parents? Je dis, mon père, il a 65 ans et ma mère, 57 ans. Alors ils m'ont regardé. T'as vu la fumée qui sort de la cheminée? Je dis, bien sûr, vos parents sont partis là-bas en fumée. Alors j'ai dit, c'est plaisanterie de mauvais goût. Absolument, je refusais de croire. Et puis, des jours passés, et puis sentir cette chair brûlée, cette fumée, ma chaîne. Et je commençais à me poser des questions de la véracité de ce qu'on m'a raconté. Et puis, tous les jours, j'ai découvert quelque chose. Vous savez, mes solidarités, elles existaient uniquement qui parlaient la même langue que vous. Et on était 4 juifs parlant hongrois. On n'existait pas devant les autres qui parlaient notre langue. L'hongrois, les autres prisonniers qui étaient là depuis un certain temps, on n'était rien. On n'était absolument rien. Qu'on soit mis à mort, on était des objets, on était un stuc, comme disait à l'époque, c'était un morceau. Un morceau de l'ensemble. Et alors, j'ai découvert avec ahurissement que les gens trouver normal de survivre un jour, une semaine, un mois. Par miracle, Nicolas survit à 7 mois à Birkenau et à l'éprouvant périple qui s'ensuit. Il fait la marche de la mort, passe par Dachau, mais plus d'un an avant d'arriver à Paris en février 1946, où il retrouve enfin son frère et sa sœur qui vivent là. Ma sœur, quand elle m'avait vu, embrassé, il s'est mis à pleurer et puis il a dit « Et maman ?» Alors là, ça m'a remué, j'ai compris qu'à ma sœur, il ne faut pas parler de déportation, il ne faut rien raconter. D'ailleurs, je n'ai jamais raconté comment c'était la déportation, comment mes parents ils sont partis vers le crématoire. Mais même à mon frère, je n'ai pas donné des détails scabreux. J'avais l'impression que je suis l'adulte et lui, qui avait 15 ans de plus que moi, c'est lui l'enfant et moi l'adulte, et il ne faut pas le trop traumatiser. Vous avez eu donc 3 enfants. Est-ce que vous avez parlé à vos enfants
quand ils étaient petits? Non, je n'ai pas parlé, parce que je ne voulais pas les... ce n'était pas une histoire... C'est plutôt ma mère qui m'en a parlé. Et puis après, quand j'étais au lycée, j'avais quand même pas mal de camarades juifs. Ouais. Et donc, on a un peu comparé les destinées de nos parents respectifs. Ouais. Alors, oui, j'avais découvert aussi, il avait un livre avec des images très, très fortes sur les camps. Ça m'avait traumatisé. Et j'étais allé voir ma mère, je lui en avais parlé. Elle m'avait dit « Range, t'es trop jeune pour lire des choses comme ça ». Moi, au fond de moi-même, presque à en faire des cauchemars. Quoi. Vous ne posiez pas de questions à votre père ? À mon père, plus tard, quand on a étudié l'histoire... Mais c'était le sujet quand même un peu tabou. Enfin, on n'en parlait pas, tout cas pas directement. C'était le sujet discret, pas tabou, c'était discret, disons. Oui. Moi, je savais qu'il en venait, quoi, mais je ne savais pas comment que ça s'était passé jusqu'à... en détail, avoir lu son livre. En 85, j'ai eu l'idée d'aller voir le film de Lanzmann, La Shoah. Mm-hmm. Et on était allé voir, c'était assez long. Et en sortant du cinéma, ma fille m'avait demandé, « Mais papa, toi t'es été déporté, pourquoi tu n'écris pas ton histoire ?» Alors j'ai dit, « Ah oui, t'as raison, pourquoi pas ?» Vous, personnellement, pourquoi vous faites tout ça ? Vous savez, mon rôle d'ancien déporté, ce qui me préoccupe, que ça n'arrive pas aux autres, même pas n'importe qui, oui. À n'importe qui, que ça n'arrive plus, que l'homme d'aujourd'hui sache jusqu'à où l'homme peut aller. Comment vous réagissez quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Je suis vraiment bouleversé. Je me dis que je devrais faire encore plus. Toutes les horreurs qu'on entend jour après jour et les réactions des gens, c'est insuffisant, c'est évident. Mais peut-être, j'espère que ça va mûrir et puis ils vont comprendre de ce qu'il arrive aux autres. Ça peut arriver un jour, si ce n'est pas à eux, mais à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors. Ah oui, voilà, oh là là, il y en a partout. Vous avez travaillé, hein? Vous avez mis combien de temps à ce que je sais, moi, vous non, savez, à l'époque, j'étais en activité, je pouvais plus uniquement pendant le week-end et pendant les vacances. 2 ans, peut-être. De la personne qui a tapé la machine, et alors il me disait. Mais il faut que tu te débrouilles parce que je veux savoir la suite. Elle était son tenue mari. Il était tenu en haleine. Parce qu'ils sont nés après la guerre. Ils ne connaissaient pas tout ça. Ils voulaient la suite, comme dans un roman policier. Moi-même, je suis étonné que j'avais eu la patience d'écrire tout ça. C'est impressionnant. Allez, go. Qui se repose en paix.